L'adhésion de la Finlande à l'OTAN se concrétise. Ce mardi, le Parlement finlandais entame son débat final sur l'adhésion à l'alliance militaire. Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, était en visite dans le pays pour apporter son soutien. Tout comme la Suède, Helsinki attend l'approbation de la Turquie et de la Hongrie. Pour la première ministre finlandaise, les deux pays nordiques cochent toutes les cases et ce retard pourrait nuire à l'OTAN. Sweden fulfill all the criteria as has been mentioned, and we are yet waiting. And of course, this strains the open door policy of NATO as well. It's to do with NATO's credibility because we fill all the criteria. Pour le secrétaire général de l'Alliance, le soutien permanent de l'organisation militaire à l'Ukraine prendra fin avec son adhésion. NATO allies have agreed that Ukraine will become a member of our alliance, but at the same time, that is a long-term perspective. What is the issue now is to ensure that Ukraine prevail as a sovereign independent nation, and that therefore we need to support Ukraine. C'est bien l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a été un déclencheur pour la Finlande et la Suède, qui ont demandé à rejoindre l'OTAN et ont ainsi acté la fin de leur non-alignement militaire historique.